Ok les gens, content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le serveur Arcfaxia. Donc on est sur la map Extinction. Et qui qu'on fait aujourd'hui, eh ben on va aller se faire le titan de la forêt. Alors je serai pas tout seul, je serai avec Matt qui nous écoute. Salut Matt. Salut, Lino. Et voilà, donc on va se retrouver. Matt se prépare comme moi. Donc j'ai emmené un petit peu de stuff, je vous fais voir ce que j'ai. Rien de bien compliqué. On a emmené, moi j'ai 4 gigas et puis Matt il en a 2. Et donc on va se retrouver à l'entrée de la cave dans la forêt. On vous reprend à ce moment-là, comme ça on va se faire la descente ensemble et puis le combat. Ça devrait être un bon épisode. Allez, à tout de suite. Donc là, on sort les gigas, là? Ouais, on est arrivé. Il y a une petite note en plus, je vais la prendre pour le giga. Donc tu sors juste un giga en fait, on n'a pas besoin. Tu me dis juste si c'est un mâle ou une femelle que t'as. Ok, mais de toute façon on n'est pas dans l'alliance. Oh bon, on va se mettre en alliance, tiens. J'ai mâle et femelle, tu me dis ce que tu veux. Eh ben, j'ai sorti quoi, moi? J'ai sorti une femelle. Bouge pas, je crée l'alliance, comme ça c'est le plus simple. Et puis on va y aller. Ok, les gens, on est parti. Tranquillement. Donc, on va faire la petite descente. Donc, il y a un peu de tout. Des ours, pas mal. Des Purlovia, des Yuti, des. Et il y a quelques loots, donc faut qu'on regarde. Ah, le petit lac d'entrée dans la grotte. Ok, donc ça c'est bon. Et c'est parti, on croque. Ah oui, il faut que j'enlève la récolte. Bouge pas. Hop. Voilà, je désactive la récolte des ressources, sinon ça va être compliqué. Je vais être tout de suite plein. Hop. Je vais garder juste la peau. Voilà, je vire tout. Impeccable. Je vais y remettre. Il y a un petit point en plus à mettre dans les dégâts. Et on est reparti. Il y a Jarex aussi. Ouais, bah il y a un peu de tout ici. Bon, après à deux, ça le fait tranquille. Il y a des notes aussi, mais je sais plus où elles sont. Ça sort des murs, tu verras, c'est ça qui est marrant. C'est comme dans les grottes quoi, ça sort des murs, tu les vois pas arriver. Après on s'en fiche, on rush le truc et puis on va jusqu'au TP. C'est ça qui nous intéresse de toute façon. Donc si vous l'avez jamais fait les gens, c'est 18. Je reprends ma carte. Je vais voir l'entrée, voilà, c'est en 18, 30, 34, un truc comme ça, 35. Ok, donc on descend tranquillement la cave. Bon, il y a un petit peu de tout. On va continuer. Je vais vous filmer une partie de la descente. Ok, on continue tranquillement notre descente. Ça se passe plutôt bien avec Matt. Hop. Je sais plus par où on passe en fait. Un peu paumé, mais je crois que c'est par là. Il y a longtemps que je l'ai pas faite. Ouais, c'est par là. Vu qu'il y a encore des méchants ici. C'est que c'est par là. Ouais, ça a l'air d'être par là. Ouais, de toute façon, il me semblait que tu pouvais plus te tromper. Tiens, t'as un loot rouge là. Ok, je vais te dire. Celle d'Arthroplora déjà craft légendaire et BP de pompe 213. Ouais, j'ai déjà mieux moi. Mais tu peux le Ok. revendre des fois sur le. Ouais, j'ai 273. Ouais, c'est ça. On doit pas être loin, voilà, du TP, ok. Et il faudra qu'on cherche l'artefact après. Hop, l'artefact, je sais plus où il est là-haut. Allez, on avance. Hop là. Ah, il Il me y a un semble. autre loot là-haut, t'as vu ou pas? Non, j'ai pas fait gaffe. Je Mais prenais si, la vas-y. note qui était par terre, juste sous moi. Hop. Allez, on tue tout le monde. Tu prends le loot, je vais aller chercher l'Arte. Où il est l'Arte? Mais il est autour du. Il est pas loin du. À remonter, je crois. Bon, si tu ne connais pas, tu me suis, comme ça on va tout faire. Oui. Allez, on va nettoyer autour du TP. Hop.
passe de l'autre côté. Pas de soucis. On fait un peu de ménage. Et tout va bien. Alors, encore une note, ça me lag un peu. Voilà. Et donc, sur la rampe en face, normalement, il y a leur thé. Et si tu me dis qu'il y a un loot aussi. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, l'artefact, tu vois, il est là-haut. Tu vois ou pas? Reviens, suis-moi, comme ça tu sauras où il est. Ouais, il y a juste un peu sur l'OVA. Non, merde. C'est bon. Ouais, c'est bien, des grosses notes, ça devrait faire XP un peu le giga pendant le combat. Donc t'as l'artefact, bah à la rigueur, je vais en prendre un, puis tu vas prendre le... Prends l'autre, comme ça on en aura deux. Si on veut le refaire. Hop, mince. Je sais pas s'il repop d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça se trouve il repop qu'une fois lui. C'est lequel d'artefact? C'est, je sais plus, c'est, il s'appelle... Croissance. Ah ouais. Bon bah c'est tout, hein. Je pense qu'on peut y aller. On, ouais. on peut les lancer. Hop, je descends là moi. Ça c'est fait. Hop. On va pouvoir décrio les gigas. Et puis vers le titan. Bon, et bah je m'étais mal préparé, du coup. J'avais oublié les trophées, évidemment. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de trophées, mais si. Donc je suis parti farmer vite fait. Matt m'a prêté son mana. Voilà. Il manquait juste quelques vertèbres de séropodes. Donc on est reparti direction la forêt et on se retrouve au terminal avec Matt. Et cette fois-ci, ça devrait le faire. Ok, c'est bon, on a tout. On est au terminal et hop. On lance le titan, c'est parti. Il y a longtemps que je l'ai pas fait, donc c'est sympa de refaire des choses qu'on a fait il y a pas longtemps. Ça fait au moins un an que je l'ai pas fait. Donc c'est cool. On est parti, normalement c'est pareil, c'est 10 minutes, ils mettent pas. C'est 10, je veux dire 30 secondes, 10 survivants peut-être, je sais pas. Ok, on est parti. Il est là-bas. On va les lancer dessus. Pas de soucis. Je sais pas. Tout le monde est là? Ouais, ouais. Allez, siffler, attaquer cette cible plutôt. Hop. Ça veut pas. Mais il va partir. Ok, on met l'en suivi. Ouais, vas-y, attends. Hop. Ouais, ça marche pas, attaquer la cible. Tiens, c'est bizarre. Bon. Allez les gars. Bon, on va y aller. Hop, ça lag un peu, je suis désolé. On va se calmer un petit peu. Allez, on y va. En agressif parce que on peut y aller, quoi. Tu vois sa barre de vie, toi? Oui. Ouais, ouais. Mais il a perdu un quart déjà. Ouais, c'est ça, ça va assez vite. Je voudrais me mettre un peu plus loin pour filmer le truc tranquille. Ouais, voilà, je vais pas trop taper, je vais laisser faire les gigas. Comme ça, mes chers petits viewers, vous pourrez voir comment ça se passe. Allez, petit, faites le boulot. Il y en a un qui top pas, je sais pas ce qu'il fait lui. Il doit être. Allez. Il gagne un peu.
Ouais, il est gogolisé. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il est gogolisé, machin. Bon, je vais taper un peu Grant, quand même. il a pas beaucoup de vie le mur quand même, c'est... Ouais? Il a pris cher? Oui, vraiment très cher quoi. Ah mince. T'es à combien, là? Je suis à 9 000 sur 35 000. Ah oui, quand même. Moi je tape encore un peu et après... Ouais, t'inquiète. Il y en a un, tiens, à toi aussi qui va mourir. Ouais, c'est pas grave. Si on en perd, c'est fait pour. Mais moi, il tape pas, il me fatigue. Je les ai mis en... Viens là, toi. Pourquoi tu tapes pas, toi, espèce de... d'abruti. Il était coincé dans le... Il est en aggro sur moi et... J'ai pas trop envie de... Eh bien, je crois qu'ils sont trop lourds, je les ai pas mis, c'est pour ça en fait qu'il peut pas taper. Allez, on va le finir, il est presque mort. Et voilà! Oh putain, j'ai failli crever. Il me restait 4 000 de C'est fou, mais c'est que t'étais dessous, peut-être faut pas se mettre trop dessous en fait. L'ami est resté 7 000. Non mais les miens, ce qu'il y a, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Déjà ils sont là-bas les miens, ils ont rien foutu du combat donc forcément. C'est de ma faute. Il aurait fallu que je les laisse en, tu sais, que j'enlève la récolte des ressources pour être tranquille. Bon, c'est pas grave. T'as récupéré des trucs du coup? Normalement il y a un loot, ça loot par terre je crois. Attends. Ou dans les dinos, regarde. Dans les miens en tout cas, il n'y a rien eu parce qu'il n'y a Par pas eu terre là, d'étage. t'as un truc par terre, non? Non, ça c'est mon chigano. Ok, on se fait taper par des trucs, mais je sais pas quoi. Ok, bon, en tout cas, on l'a tombé. On va essayer de voir le loot qu'on a eu, si on a eu des trucs ou pas, parce que normalement il y en a, mais faut qu'on regarde un petit peu partout. Bon, bah, grosse déception, on n'a pas looté et on n'a pas eu le trophée, ni le drapeau, ni rien du tout. Je crois pas qu'il y ait de drapeau, mais on n'a pas eu le trophée, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un bug. Bon, on verra si on trouve une explication. Bon, je vais retourner à la base et puis crafter le réplicateur. Ça sera déjà une bonne chose à faire. Alors, pour craft en fait le réplicateur, il faut que j'aille sur un terminal. Donc, en gros, faut que je retourne. Au terminal du titan de la forêt, et puis je peux le crafter là-bas. Donc je vais aller mettre mes ressources dans là-bas, dans le petit Terminal City, et puis ensuite je vais reprendre mon giga, je vais refaire le chemin, et puis je vais aller crafter, et comme ça j'aurai le répli pour le mettre en place. Après, il faudra que je revoie ma vidéo, mais en fait on n'a rien looté parce qu'il y avait un gars qui devait voler au-dessus de nous. J'ai souvenir de ça sur la vidéo, je regarderai quand j'aurai fini. Il y a un gars qui a dû voler au-dessus de nous pour en tenue tech, et c'est lui, je pense, qui a dû loot le truc. Donc c'est pas très cool de sa part, franchement. Je sais pas si je verrai le nom sur la vidéo, c'est même pas une question de ça, c'est juste, je sais pas quoi, c'est du PvE. On peut au moins être correct, et puis voilà. Bah bref, je suis un peu dégoûté, c'est pas très grave. Mais bon, le trophée... On verra bien. C'est pas grave. Donc je vais tout mettre là-dedans. Et puis on se retrouve bah, au terminal de la cave du Titan pour crafter le répli. Ok, bon bah c'est cool, j'ai réussi à me TP. Donc du terminal du Titan. Et donc j'ai pu, juste avant le reboot du serveur, crafter le réplicateur. Donc je suis content. Donc je vais retourner sur... Voilà, sur hop, extinction avec ma wyverne, et on se retrouve là-bas pour placer le réplicateur. Alors, on va essayer de mettre là. Si je suis à peu près centré. On va se mettre en orbital, voir ce que ça donne. C'est pas plus mal. Ok, donc là je serai centre.
derrière, ça a l'air pas mal. Est-ce que je peux voir? Bon, voilà. Ok, bon, on est pas si mal ici. Franchement, c'est pas mal. Hop, allez, on va le mettre là, ça sera très bien. Et ben, je suis content, on a enfin le réplicateur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'on peut crafter? Schéma, hop. Donc on a quand même débloqué les jambes tech. Ouais, le plastron. Plastron. Non, pardon. Jambes et gantelets. Ok. Pas si mal. L'épée tech, pourquoi pas. Exécuteur, ça j'en ai. Mec. J'ai des mecs aussi. Le téléporteur, ça peut être intéressant. La selle de T-Rex Tex. Ok. T-Rex Tex, c'est dur à dire. Ok, bah c'est cool parce qu'en fait, ici, j'ai pas mal de schémas tech. Comme vous pouvez le voir, donc le fusil je pourrais pas, mais les gants je pourrais m'en crafter, j'ai du 717. Et j'ai dit que j'avais aussi, voilà, 414 en. Et après j'ai du gros schéma de mec, j'ai du 175, donc c'est quand même pas mal. Une blinde, hein, 20 000 de. Mais voilà, mais pourquoi pas. Et puis après j'en ai des plus petits. Level 126, 112 et 125. Donc à voir, mais ça va permettre de. Par contre, je peux me crafter une épée tech éventuellement. C'est pas le genre de truc que je me sers de trop, mais pourquoi pas. Je changerai un peu de ce que je fais d'habitude. En tout cas, je suis bien content. Voilà, petite, petit, enfin notre petit répli. Enfin, enfin, il n'y avait pas d'urgence, mais au moins pour avancer dans le jeu, c'est sympa. Et puis ça va me permettre aussi, surtout de crafter tout ce que je veux, c'est-à-dire mes selles de giga avec le BP que j'ai, et puis d'autres choses, donc c'est top. En tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis on se retrouve très vite sur Arcfaxia pour la suite des aventures. Ciao!